Salut tout le monde! Salut, c'est la team Miel! Bienvenue dans Major Masque! Et aujourd'hui, ben, on va essayer de speeder un peu parce que, comme vous pouvez le constater, il est déjà 4h de l'après-midi, bientôt 5h, donc c'est l'heure de bientôt d'uploader la vidéo, enfin de la poster en ligne, pardon. D'ailleurs, je vais me transformer en Mojo, ça ira un peu plus vite. Qu'on aille faire un mini-jeu, mais c'est bientôt terminé, alors vite! Attends. Attends, je suis en train de faire demi-tour là. Oui, oui, j'allais dire, tu vas pas dans le bon sens. Du coup, même Link Mojo qui court en arrière, il est plus rapide. Oui. En fait, tous les autres Links sont plus. What are you doing, Mr. Volcano? Il reste plus qu'une heure. Moi, bon, je veux quand même voir. Non, y a pas un panneau qui nous donne. Non, tu devrais rentrer et pas te poser de questions. Sérieux? Y'a pas de panneau? Si, là, mais bon. Non, mais celui-là, c'est pour le source d'eau chaude. Ah, ok. Bon. Au moins t'es rentré. Mais t'as le droit qu'à... Nous trêvons de plaisanteries. Eh mon pote, comment ça va? Tu veux jouer? Ok, Varu bien parti. Oui, oui. Je sais déjà tout ça. Les règles de mon jeu sont super simples. Tiens, c'est réussible, et puis la plateforme, faut toutes les avoir, c'est tout, c'est pas compliqué. Si tu vises pas correct avec joystick, tu vas jamais les toucher, après mon pote, oui. Beaucoup de temps, alors dépêche-toi. De toute façon, il va te... Okay. Enfin, stresse pas, hein, mais... je veux dire... Quand ce sera terminé, est-ce qu'il te dit bon c'est fini, va-t'en? Enfin non, pas pendant le mini-jeu. Non, pas pendant le mini-jeu, mais à la fin. Je veux dire, tu peux pas dire je veux recommencer. Non, 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 non! Eat you! Heureusement que tu peux mitrailler les flèches. Ah bah c'est sûr que là, je... Mais faut le faire une fois ou deux? Deux. Oh mince! J'espère pour toi que ça ferme à 19h. Je sais pas, en fait, j'ai lu qu'en fait il fallait pas faire un parfait, il fallait juste faire 2000 points, mais je crois que pour avoir 2000 points, faut faire un parfait en fait. Non, puisque tu fais 2100. 1100 je crois. What? C'est pas gentil les gouailles. Mais qu'est-ce que tu fais, lui? Ah non, tu vois, tu fais 2020. 2100. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. 2120. Bon, ça va, il me reste encore 15 bitutes. Parfait! Parfaitement. 2140, 2150, 2170, 2180, 2200, 2110, 2220, 2300. C'est bon. T'as vu, les 99 centièmes, c'est Cyrano qui m'a porté chance pour cette partie. Merci, Cyrano. Oh là là, voilà pour toi. Tenez, le carquois géant, on pouvait porter jusqu'à 50 flèches. Eh, hey, parle de ma boutique avec des potes, d'accord? Mon copain. Alors quoi, mec, tu veux pas jouer? Mais si, je veux jouer, justement. Allez, je vais te répéter, si tu vises pas correct avec stick, tu vas jamais les toucher, t'es prêt, mon gars? Bon, du quand coup, quand on s'appelle la L aussi, tu peux pas la toucher. C'est le même principe que le truc de l'Octorok, en fait, il faut le faire deux fois pour gagner le deuxième cadeau. Bon, sauf que là, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie à dire « Oh, est-ce que je dois faire 2040 ou 2050 pour histoire de pas sauver... » Ah bah ça y est, il fait nuit. Merci, message. Je crois que le jour où j'ai fait ce mini-jeu, j'avais eu le message aussi. Du coup, ça m'avait perturbé. Ouais. Oh non, non, non. Ok. Tu l'as eu, celui d'en haut? Oui, non, pas celui de gauche, je vois. Oui, justement, c'est celui-là dont je parlais. Je vais aller voir. Il y a des gouailles qui arrivent. Les vilains gouailles. C'est pas des corbeaux? Oh bah du coup t'as eu le loup, je pensais que... Je pensais pas. Oh. Oh you. You pest. Stop following us. Stop hiding. Du coup t'as loupé un gouaille? Mm-hmm. Ok. Ouh là là. Ouf. Ouf, j'ai eu peur. Ah, déjà? Wouah, t'as fait un meilleur temps que tout à l'heure. Alors que j'ai fait un gros fail. La L. 240. Du coup, tu vas améliorer ton score. C'est bien. Mais que moi qui joue à ce mini-jeu à tous les coups, en plus sur Termina, je suis sûr. Ah, mais le temps, il continue de défiler, là, en plus. Oh, purée, c'est pénible.
Alors ça, c'était plutôt excellent, bon sang de bonsoir, c'était parfait, voilà pour toi, voilà pour toi. Un quart de cœur. On est maintenant 3, alors du coup, est-ce que je vais sortir? Non. Bon. Y'a pas... Ah oui, y'a ici, hein. Cheetah Man. Donc ça veut dire que cet homme, en fait, est un Cheetah Man? Ouais. On l'appellera King. King. Je vais te laisser la manette pour que tu ailles découvrir une nouvelle zone. Youpi! Je vais découvrir le bourg-clocher. Ou pas? Ou pas. Quoique, je sais pas si sur le chemin, tu sais, il y a un truc, il y a un trou avec la cave avec des dodongos dedans. Oui, il faudrait que j'y aille. Je sais pas si elle est ouverte, enfin si, si y a les dodongos là. Ah, plouf, je voulais pas faire ça, mais on a qu'à dire que c'est pas grave. Du coup, où est-ce que tu vas? Mais je veux pas. Je veux sortir. Attends, attends une minute. Je veux sortir, c'est tout. Bah, autant sortir par la sortie nord, non? Oui, mais j'y avais pas pensé. Mais en fait, à la base, je suis tombée et du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais partir par la sortie ouest, mais visiblement. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ok. Oh, ça rappelle des souvenirs, cette zone. J'aime bien cette zone en plus. Ah bon? Pourquoi? Ben, le parce qu'il y a une madame, parce qu'il y a une madame qui se fait voler son sac. Là, l'espèce de truand va. Je ne t'imaginais pas comme ça. Bon. Bon, le trou, normalement, il est plus à gauche. Pas si. Enfin, je... Ah si, il est là. Je sais pas s'il est là. Ouais, c'est bon. Je le vois, je le vois, je le vois. Tu devrais t'équiper de bombes et faire la grosse bourrine comme moi. Mais moi, tu sais que quand je fais une grosse bourrine, j'envoie 10 000 bombes partout. C'est pas grave, abuse-toi bien, là c'est justement le but. Envoie des bombes partout. Genre comme ça. Attention, attention. Ah, il retire beaucoup. Il retire beaucoup de vie et ça sert à rien de mettre ton bouclier. Mais faut que les tuer avec les bombes, faut pas leur donner des coups d'épée après. Non, si tu leur donnes, tu jettes que les bombes, ça c'est plus facile que si tu... Toi tu les tues en leur donnant des... bon. Attention de ne pas sortir. Oh mince, j'ai raté. Parce que qu'est-ce que t'es proche de... Ah oui, c'est vrai que c'est une lumière. Bon, tu meurs toi s'il te plaît. Mais entretuez-vous si vous avez envie, hein. Bon, un de moins, je crois. Oui, donc oui. Il va exploser son ami. Oui. Ah non, même ça pas. Va. Ah oui, il donne plein d'argent en plus. Pourquoi tu vas te cacher? Je peux pas avoir de feu sur moi. Je croyais que t'étais le feu. Oui, mais j'ai plus beaucoup de vie. Puis il bouge. Il l'a mangé. À table. T'es pas un dodongo pour rien. D'ailleurs, tu t'appelles vraiment Dodongo ou tu t'appelles Petit Dodongo? Non, non, c'est des Dodongo. Tout le monde s'appelle Dodongo ici. Il n'y a que des Dodongo. Il n'y a pas de Petit Dodongo, il n'y a pas de Roi Dodongo, il n'y a pas de, de Dodongo géant. Ok. Pas grave, toute la vie que tu as perdue n'aura pas été en vain. N'aura pas été en vain, là, elle. Par contre, toutes les bombes que tu as jetées ici. C'est pas grave, j'en aurai d'autres. Puis on n'utilisait que la moitié. Ok. Youpi! Donc maintenant, il faut que je trouve un moyen de monter, remonter. De toute façon, il faut que j'explose un truc. Attends une minute, j'ai pas besoin d'un grappin normalement. Ah non. Tu joues ton milieu maintenant, j'ai besoin d'un grappin. Mais je sais pas, c'est pas par là? Si, c'est par là. Mais what? Mais non, mais pour le moment, tu dois juste faire le tour, là, elle. Oh, ok. Bon, j'ai pas besoin de mettre du mojo. Hein? Y'a un truc pour monter, mais de l'autre côté, alors. Mais oui! Ok. Qu'est-ce que c'est moche, c'est un goron de neige! Un goron de neige? Je sais même pas c'est quoi leur nom. Attends, je vais te le dire. C'est Inno. Un Inno. Il est vulnérable au feu. Ok. Une... Inno ça veut rien dire comme nom. C'est un inopharyngite. Alors, montons tranquillement. Parce que là-haut, il y a une surprise. De la neige. Bon. Bien la neige, là, elle. Oui. Non, c'est pas fini. Non, faut lui donner deux coups. Youpi! Let's go! Oh non, j'aime bien cet endroit.
Regarde, il y a des personnages un peu. C'est trop mignon ce truc. Bah dis donc, c'est trop mignon, qu'est-ce que le premier réflexe de l'aile quand c'est trop mignon, je le tue. Mais il me sautait dessus. Je le démolis. Je lui broie les os. Il n'a rien compris. T'as vu, je peux faire un bonhomme de neige avec. Que j'oublie rien, parce qu'il y a un... des gorons. Non, il n'y a pas de gorons ici. Qu'est-ce qu'il y a, Taya? C'est pas bon signe, ça. Si nous pouvions exploser ces boules de neige, nous pourrions aller plus loin. Ah, ça tombe bien, j'ai des bombes. En fin de compte, le masque de bombe, c'est au cas où t'as besoin de bombes, mais que t'en aies plus, c'est ça? Oui, entre autres. Eh, tu m'as fait mal. Tu me donnes rien en retour, en plus, t'es méchant. Méchant boule de neige. Tu t'appelles comment, d'ailleurs? Esprit blanc. Blanc, calme-toi, il y a ta clé. Bon, d'accord, ils sont plutôt nombreux. Ah oui, un, c'est beaucoup nombreux. C'est très nombreux, Taya, merci. Taya ne sait pas compter, c'est pas sa faute. J'ai envie de dire le panneau. Vers le village dans la montagne. Attention au blizzard et aux chutes de neige. Les gorons peuvent casser les rochers. D'accord. Mais c'est quoi le rapport avec le début de la phrase? Bienvenue au château des neiges. Bienvenue dans mon château. Ici, okay. Nous aimons les carottes. Non, pas ça. Oh, y a rien ici. Oh. Bon, si tu veux y aller. C'est toujours intéressant. Regarde, il y a des cœurs. Bon, attendez, vous, je suis en train de m'amuser. Fun, fun, fun. En fait, ça sert vraiment à rien. Mais oui. Tu ne fais pas confiance au milieu. Je sais pas, il pourrait y avoir un truc cool, genre 20 rubis. Mais non, tu vois bien que sur ta carte, il n'y a pas de coffre. Oui. Village dans les village montagnes. Dans la montagne. Attention, les gorons peuvent casser les cailloux. Regarde, il y a un crapaud. Mais j'ai froid, s'il vous plaît. Donnez-moi de l'énergie, j'ai froid, je meurs de froid. Fallait pas vivre ici, voyons. Le goron, ça vit dans les montagnes où il fait pas froid. Oui, si on fait du hovering, on pourrait monter jusqu'en haut, le jeu, il freeze. Par ici, par ici. Je suis désolé de vous appeler de si haut. Mais j'ai tellement faim que je pourrais manger un arbre et je suis coincé ici. D'accord, mais je peux rien pour toi. Partez pas, s'il vous plaît, monsieur. Donnez-moi de l'énergie. Boum. Je peux casser des cailloux, vous savez. C'est pas notre problème. Alors, je m'en vais. J'ai pas de carte, alors je vais... Non, pas par là. J'ai pas de carte, alors je vais me perdre, mais... Mais il y a peut-être un tingle quelque part. Oui, il est là-bas. Si tu continues tout droit, tu finiras par tomber dessus. Ça va, en plus, j'ai de l'argent. Oui. Genre là-bas? Oui, continue, 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 n'aie pas peur. Youpi! Je me suis pris un coin de mur, mais ça va. Regarde, il y a un truc suspect là-bas. Bleh. Non, moi je parlais du truc là-bas. Mais bon, ce qui m'intéresse, c'est... pas le lobo. Joue tout seul, moi je suis occupé. Pourquoi tu dis même pas bonjour à Monsieur Lobo? Il est trop cool pourtant. Bon. J'ai peur. Tu devrais mourir pour cet affront. Une fée blanche, oh, votre apparence, c'est magique, n'est-ce pas, messieurs? Mais on s'est pas déjà parlé normalement. Oh, bien le bonjour, monsieur fée. Alors, achèteras-tu une des cartes de gros mots? Pic des neiges. Oh, je veux bien le ranch romani aussi, même si c'est pas intéressant. Oui. Oh, si, remarque qu'il est cool le ranch romani quand... On fera un truc mais que je ne ferai pas. Vaut mieux l'acheter plus tard, en fait, ça coûte moins cher. Ah bon? Gros mot, gros mot, cooling pas. Oui, en fait, tu vois, ça coûte 20 rubis quand t'es dans la zone dans laquelle où tu achètes ta carte, mais ça coûte 40 rubis pour la prochaine zone. D'accord. Alors finalement, tu fais des économies, Milu. Eh oui. Bon, il y a un coffre. C'est parce que je suis tout le temps pauvre, alors. Mais je suppose que c'est pas... Le coffre, tu peux pas encore l'obtenir, il est sous la glace. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est comme là, je peux pas y aller. Bonjour. Coucou, je te fais un câlin, mais c'est tout. Au revoir. Bon, enlève-toi ce truc. B. Bon, je pensais que c'était le lobo qui allait tomber, pas le lael. Bah oui, mais c'est le de la visée, elle me gêne. Je peux pas monter parce que je suis pas un goron. Pourquoi tu peux pas casser des pierres? T'as besoin de casser des pierres pour monter? Oh. Sérieusement? Mais non. Sérieusement? On est obligé de refaire le tour pour remonter? Bah oui. Ah d'accord, j'ai vu le coffre. Vous voyez, elle est contente. On peut y aller que en goron. En Zora, pardon. Mais je crois qu'il y avait pas de Zora dans ce jeu, lael. C'est toi qui le disais dans le premier donjon. Tu viens, on va faire un coucou à ton ami, si il est revenu. Oh, c'est bon. T'as creusé sous la neige pour remonter? Espèce de cheater, moi j'ai dû faire le tour. Mais non, il est remonté normalement, eux et le Wolfos ils sont capables de monter parce qu'ils sont cool. Parce qu'ils
qu'ils ont des griffes. Oh, une boule de neige géante. Waouh. Eh, mais c'est bientôt la fin de la partie. Bon, alors je vais aller là-bas. Parce que c'est cool. Et il y a un Mojo. Tu vas dire au revoir avec moi, Mojo? Ok. Au revoir tout le monde. Et faites de bonnes affaires avec les Mojos de la montagne de neige. Salut.